foulage. Gardou! Dépotgère aux victimes des génocides arméniens et la mémoire des Arméniens morts pour la France. Par Madame Georges, conseiller municipal délégué, conseil courtant, représente Monsieur le maire Jacques Kosowski, et par Madame Zéringer, président honoraire de la Légion d'honneur. Par Madame Marie-Pierre Limoges, vice-présidente, par Monsieur Courtès, conseiller municipal délégué aux esports, conseiller départemental, représente Monsieur Sefredi, président des Jeux Français de Haute-Seine. Par Madame Taquilin, conseiller municipal, conseiller régional Île-de-France, et par Madame Patelier, conseiller municipal. Par Madame Susanna Adlion, première secrétaire de l'ambassade de représentants, Son Excellence Masnik Domedion. Par Madame Le Grip, députée de Haute-Seine. Par Madame Aignon, députée de Haute-Seine. Par Madame Jeanne de Haute-Serre, maire de Paris 8e. Par Monsieur Mina Melcolion, président de Anciens Combattants. Par M. Jean-Jacques Charadion, conseiller municipal et représentant de l'amicale franco-arménienne des Hautes-Seine de section Courbevoie. Et merci, Monsieur le Sénateur, Monsieur Marseille, Monsieur Marseille, Sénateur, cette présence parmi nous. Merci, Monsieur le Sénateur. Mort!
par Madame Susanna Alusion, représentant Son Excellence Asmik Tolmezian, ambassade amérindien. Madame la représentante de la maire de Courbevoie. Monsieur et Mesdames les représentants du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Monsieur et Mesdames les représentants du Conseil municipal de Courbevoie. Monsieur et Mesdames les élus. Monsieur le sénateur. Madame la députée. Mesdames et Messieurs. Hayden Sireli Hayonakitsnej. Madame la maire du 8e arrondissement. C'est avec des sentiments de reconnaissance et d'amitié que j'ai l'honneur de participer aujourd'hui à cette cérémonie de recueillement que la ville de Courbevoie a organisée pour commémorer le 107e anniversaire du génocide arménien. Le 24 avril 1915, c'est une date noire qui a marqué le début du premier génocide du XXe siècle. La rafle de plusieurs centaines d'intellectuels, religieux, politiques arméniens à Constantinople et leurs massacres ont déclenché le mécanisme monstrueux prémédité orchestré par les dirigeants de l'Empire ottoman, afin d'effacer et de faire disparaître un peuple de la surface de la terre. Le résultat a été morbide, 1 500 000 innocents exterminés, un patrimoine culturel et historique anéanti, le peu de survivants chassés de leur patrie, celle de leurs ancêtres, pour se parsemer dans plusieurs pays du monde. La douleur du génocide qui se transmet d'une génération à l'autre se perpétue et se voit ravivée par la persistance de la politique négationniste de la Turquie, aujourd'hui encore. De façon étrange, l'extermination des Arméniens donnant lieu au génocide en 1915 s'est reproduite 105 ans après, en automne 2020, et a trouvé toute son horreur dans l'agression militaire de l'Azerbaïdjan, parrainée par la Turquie contre l'Artsakh et son peuple. Un an et demi après cette agression meurtrière qui a abondé de crimes de guerre et atrocités contre les civils et soldats arméniens, la guerre se poursuit toujours. C'est l'intensité qui a changé. Depuis bientôt un an, les troupes azéries se sont infiltrées et campent sur les territoires souverains frontaliers de l'Arménie. Les provocations de Bakou se poursuivent aussi dans le Haut-Karabakh. Et pour chacun de ces incidents, il y eut des décès parmi les militaires mais aussi parmi la population civile arménienne. Depuis le début du mois de mars, plus de 100 000 habitants du Haut-Karabakh sont privés d'approvisionnement en gaz à cause des manipulations sur le gazoduc par l'Azerbaïdjan, qui a engendré un véritable sinistre humanitaire dont l'objectif est tirer parti des conditions météorologiques austères et pour faire fuir les Arméniens de leur terre natale. À ces actes de sabotage s'ajoutent aussi les récentes provocations militaires d'Azerbaïdjan dans les localités d'Artsakh. Les conséquences de la guerre d'automne 2020 reste aussi aiguë et non stigmatisée, notamment en ce qui concerne les prisonniers de guerre et civils arméniens détenus en tant qu'otages en Arménie, dont les sévices à leur encontre sont documentés et confirmés par les instances internationales, notamment le Parlement européen ou encore la Cour de la Haye. Le patrimoine culturel arménien dans les régions passées sous les contrôles de l'Azerbaïdjan subit également la politique de haine et d'extermination. Les églises, les monastères, Khachka, sont régulièrement profanés, détruits, rasés de la terre ou encore se voient détournés de leur identité arménienne via une doctrine d'État fabriquée pour justifier la barbarie commise contre les monuments arméniens. Même volonté d'extermination des Arméniens, façon de dire, même volonté de terminer avec les restes de l'épée. C'est une façon de nommer non sans équivoque les Arméniens en Turquie. Avec tous ces défis, l'Arménie sait que la France est à ses côtés pour nous soutenir dans une période difficile de notre histoire. Cette solidarité de la France, nous avons vu pendant la guerre contre le Haut-Karabakh de 2020, mais aussi après. L'attention de la France, ses actions constantes sont constantes pour résoudre les défis humanitaires et pour parvenir à un règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh, dont la pérennité peut être acquise par le respect de la volonté du peuple du Haut-Karabakh, des Arméniens du Karabakh, et par la garantie de leur droit de disposer d'eux-mêmes. La France s'engage pour la mémoire historique du peuple arménien et apporte sa contribution majeure en la matière de la prévention internationale des génocides.
Depuis déjà 3 ans, en vertu du décret présidentiel, la France a promulgué le 24 avril comme journée nationale de la commémoration du génocide arménien. D'ailleurs, en 2020, dans le contexte des règles sanitaires strictes, les manifestations de commémoration du génocide arménien ont été les premiers événements publics à être autorisés, et l'Arménie est profondément reconnaissante à la France, à la ville de Courbevoie, au département des Hauts-de-Seine, aux associations des anciens combattants, aux associations arméniennes des anciens combattants, aux associations arméniennes, l'amicale des Hauts-de-Seine, pour leur engagement, pour cette pérennité de la mémoire arménienne, mais aussi à la France pour son amitié forte à l'Arménie et au peuple arménien. Cette solidarité et cet engagement de la France incrustés dans l'amitié historique franco-arménienne et les relations interétatiques privilégiées entre nos deux pays, qui d'ailleurs ont marqué cette année, tout récemment en fait, fin février, leur 30e anniversaire, l'Arménie et les Arméniens chérissent et apprécient profondément. Mémoire et hommage éternel à tous les innocents et justes qui sont immortalisés avec courage et dignité. Merci à la France pour avoir recueilli les graines de vie et de leur avoir donné toute nouvelle chance de vie et d'espérance. Et sont aujourd'hui plus de 600 000, nos compatriotes réciproques, les Français d'origine arménienne qui incarnent parfaitement et font rayonner l'amitié franco-arménienne. L'heure est à l'hommage et à la reconnaissance. Merci. Par M. Jean-Jacques Sarutian, conseiller municipal et représentant de l'amicale franco-arménienne de Haute-Seine, section Courbevoie. Madame la première secrétaire de l'ambassade d'Arménie en France, Madame la députée, Monsieur le sénateur, Madame la vice-présidente du conseil départemental de Haute-Seine, Madame la conseillère municipale déléguée à la mémoire de la nation, Madame le maire, Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement Monsieur Jacques Kozowski, maire de Courbevoie, ainsi que l'ensemble de mes collègues élus au sein du conseil municipal. J'ai une pensée toute particulière pour ma collègue et amie Madame Bénédicte Georges, conseillère municipale déléguée au conseil municipal des jeunes, à la citoyenneté de la jeunesse, aux anciens combattants et à la mémoire de la nation, pour son soutien indéfectible et qui a permis que cette cérémonie puisse avoir lieu aujourd'hui. Je remercie également M. Arthur Saint-Gabriel, coordinateur du comité d'entente des associations d'anciens combattants et patriotiques de Courbevoie, ainsi que les services de la mairie, sans qui rien n'aurait été possible. Depuis 2017, notre maire, ainsi que la municipalité, soutient sans relâche la cause arménienne en commémorant le génocide des Arméniens perpétré il y a maintenant 107 ans. La rafle sur ordre du gouvernement turc de plus de 600 intellectuels et notables arméniens le 24 avril 1915 à Constantinople, capitale de l'Empire ottoman, est l'événement marquant le début du génocide de 1 500 000 Arméniens, 350 000 Grecs et Chypriotes, 250 000 Assyro-Chaldéens et 100 000 Syriaques, planifié et exécuté par le pouvoir jeune turc et ses complices. Ainsi, la Turquie de 1915 massacrant plus de 2 millions de chrétiens a été mondialement reconnue comme le premier pays génocidaire du XXe siècle. Courbevoie fut une des premières villes à soutenir et faire voter une subvention humanitaire d'urgence pour les réfugiés arméniens lors de la guerre des 44 jours, déclenchée le 27 septembre 2020 en Artsakh, qui opposa et qui oppose toujours l'Azerbaïdjan. Courbevoie peut être fière par son geste humanitaire de faire cause commune avec l'Arménie. Enfin, je remercie notre maire Jacques Kozowski, au nom des Courbevoisiens d'origine arménienne, mais aussi au nom des populations arméniennes outragées et humiliées. Je vous remercie. Terminement. Repos.